Ça va se traduire par un accord intergouvernemental avant la, forcément avant la fin de l'année, qui fixera le cadre juridique et le cadre technique de cette coopération à venir et qui permettra aux industriels japonais et aux industriels français de coopérer sur un certain nombre de programmes. Et ça, c'est une belle avancée. La vente du bâtiment de commandement et de projection pour les Russes, c'est un contrat qui a déjà été payé et achevé. Pour le reste, la France condamne fermement l'intervention de la Russie et l'annexion de la Crimée par la Russie, condamne fermement ses agissements en Ukraine. Je pense que ça va pas les décevoir, oui.